nous te bénissons pour ta fidélité, pour ta bonté, ta grâce et ton amour. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour ta bonté, ta parole qui nous, et pour ta parole qui nous guérit, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, voilà, nous avons ce studio qui se met en place au fur et à mesure. Vous savez, depuis quelques jours, on n'a pas eu d'émission en direct sur le plateau TV de vie parce qu'il y a, depuis quelques jours, quelques semaines, des travaux. Et merci en tout cas aux frères et sœurs qui sont motivés et qui ont mis à la disposition du Seigneur certains de leurs ouvriers pour travailler ici. On peut voir hein, des câbles qui sont encore en train d'être installés. Et voilà. Donc, tout n'est pas encore fini, mais bientôt, ça va être le cas. Et Loïc est au piano, hein, qui a initié ces travaux et, pour mettre en place en même temps ici, je crois, le studio de musique de vie. Donc, il y aura à la fois des enseignements, comme d'habitude, de temps d'adoration, de partage, et aussi les personnes qui ont des chants, qui reçoivent des chants, qui chantent et qui ont cette grâce, peuvent également venir pour enregistrer sur place ici. Est-ce que ça sera le cas, Loïc? Oui, ça sera le cas. Donc, par la grâce du Seigneur, on a pu agrandir en fait les locaux. Bon, pour les personnes qui ont pu venir dans les précédentes émissions, si vous pouvez voir avec les plans en fait qui seront faits, que le plateau peut maintenant accueillir beaucoup plus de personnes. Donc que ça soit pour les partages, mais également pour les moments d'enregistrement de chants nouveaux. Donc des sessions qu'on organisera quand le Seigneur permettra pour que les frères et sœurs en fait puissent venir enregistrer et partager tout ce que le Seigneur leur donnera quoi. Tout simplement. Donc on va, si je prends le micro de 15 deux secondes, et ceux qui ont des chants et qui veulent les enregistrer, qu'est-ce qu'ils doivent faire Donc vous tous qui déjà vous êtes nombreux à nous contacter en fait notamment grâce à la page Facebook de Musique de Vie. Donc de nous envoyer même des messages privés pour qu'on puisse prendre contact avec vous et voir comment, dans quelle mesure on peut se rencontrer pour mettre en place des sessions d'enregistrement et diffuser ça en fait pour que tout un chacun en fait soit encouragé partout quoi. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook de Musique de Vie, donc Musique de Vie Production. Donc sur Facebook vous tapez, vous allez directement nous trouver et nous contacter via et on échangera pour voir comment on peut s'organiser quoi. D'accord. Donc le plateau s'est grandement, s'est élargi, pardon. Mmh. Et vous l'avez vraiment agrandi. Mmh. Et donc là, il y aura une batterie quelque part là-bas. Le piano, il sera ici ou on verra comment la disposition. Là, justement, ce qu'on a voulu faire en fait, c'est d'être flexible au niveau du plateau en fonction du nombre de personnes qui sera sur le plateau. Donc, s'il y a 2, 3, 4, voire plus de personnes, pour pouvoir déplacer librement les objets, ne pas être figé. Donc, le piano aujourd'hui, il est ici. Comme demain, il pourrait être plus derrière moi avec la batterie là et tout. D'accord. Et c'est vraiment, on a voulu agrandir pour pouvoir être libre de bouger en fonction des différentes émissions, les différents thèmes, différentes. D'accord. Voilà. Parfait. Donc, justement, on peut aller avec un chant que Klein a reçu, qui est là avec son petit, hein, qui bien sûr est aussi un futur et déjà serviteur de Dieu. Hein. Voilà. Klein, tu n'as pas l'habitude de mettre ton enfant sur un balcon, hein, en disant que c'est Chora qui t'a enseigné ça. Voilà. Il faut nous le dire, Klein, c'est quand même le micro. Tu l'as, le micro, là, s'il te plaît. Ah, mais non. C'est pas ce qu'on vous enseigne ici, en tout cas. Non, pas du tout. Gloire à Dieu. Non, parce que c'est quand même étonnant, quoi, d'entendre de tels mensonges. Voilà. Donc, de l'autre côté, là-bas, bien sûr, c'est la partie technique qui est en train d'être mise en place. Donc voilà, les techniciens sont en train de travailler dehors sur la camionnette de TV et Radio de Vie. Donc là, on vous montrera cette semaine, logiquement, je pense qu'on aura fini la partie technique. Voilà, tout change complètement. Alors on va vous montrer d'autres détails tout à l'heure. Vous allez voir, c'est des bonnes choses qui se préparent. Voilà.
Prince. Si tu veux, dis un seul mot et je serai guéri. Si tu veux, dis un seul mot et je serai guéri. 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 Si tu veux, si tu veux, dis un seul mot et je serai guéri. Si tu veux, dis un seul mot, Jésus, et je serai. Je serai guéri, oh, 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 je serai guéri, je serai guéri, je serai guéri. Si tu veux, dis un seul mot et je serai restauré. Si tu veux, dis un seul mot et je serai restauré. Encore. Si tu veux, dis un seul mot et je serai restauré. Oui, restauré. Oui, restauré, ma vie restaurée, restaurée, oh, restaurée, 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 restaurée. Et je serai délivré. Si tu veux, dis un seul mot et je serai délivré. Oui, délivré. Dieu, c'est un chant que tu as reçu. Gloire à Dieu. Et effectivement, le Seigneur ne nous dit qu'un seul mot. S'il nous dit qu'un seul mot, pas plusieurs, ben on peut être guéri, restauré. Oui, nous croyons que Jésus guérit et il n'a pas changé. Voilà. Gloire au Seigneur. Comme cette femme que le Seigneur a guérie, notamment du sida au Gabon. Voilà. Donc, beaucoup de choses changent. Hein. David, notamment, au niveau de locaux ici. Et voilà, j'étais
vous êtes un peu fatigué parce que vous avez beaucoup bossé. Donc Loïc, il y a des codes, il y a des choses qui... C'est terrible parce que les frères et sœurs veulent tout voir. Hein. Ils veulent voir comment ça... C'est terrible. Ok, donc bah, juste hein, pour pouvoir que les gens se disent oh, qu'on est sur un fond noir, habillé en noir. C'est bizarre. Que, c'est bizarre ou quoi. C'est pas la magie, la sorcellerie, tout ça. Non, du tout. C'est juste qu'en fait, au niveau de... Là, en fait, comme on est en, comme on disait tout à l'heure, on est encore en... On est en finalisation, normalement d'ici ce week-end, le plateau sera totalement terminé. C'est que le fond noir ne sera quasiment jamais vu en fait, au niveau des caméras. C'est juste une peinture de fond en fait, pour centraliser tout ce qui est lumière en fait, directement sur le personnage. En fait. Et tout ce que vous verrez dans les prochaines émissions, ce sera des panneaux décoratifs dans différents décors dans lesquels en fait, les émissions auront lieu. Et donc le noir que vous voyez là, ne vous inquiétez pas, c'est pas la finalité, on va dire. Mm-hmm. Donc vous pourrez le voir dès l'émission de samedi 14h normalement. Ah ben samedi 14h, il y a toute une journée. Et de 14h jusqu'à ce que Dieu nous arrête. C'est une journée, soirée, enfin une après-midi et soirée de la parole. Et venez partager ce que Dieu vous a mis à cœur, voilà. Donc, hommes et femmes. Amen. Enfants et vieillards. Amen. Hein? Donc voilà. Donc venez et puis on va parler avec vous. Vous allez venir, vous allez prêcher la parole du Seigneur. Voilà. Donc le seul critère que nous exigeons pour pouvoir partager cette parole, ben, c'est d'aimer Jésus-Christ. Amen. Et de le craindre. Voilà. Donc et c'est tout. Donc voilà, il y aura des jeunes, des moins jeunes, des couples. Vous pouvez même venir en tant que couple pour parler de la famille, pour nous dire comment il faut aimer ses enfants, aimer sa femme, aimer son mari et ne pas exposer ses enfants au danger. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Okay. C'est bon, donc il y aura d'autres décors ce jour. Il y aura deux décors. On peut quand même voir rapidement comment les gens travaillent là-bas dans la partie technique. C'est possible ou pas avec la caméra? On va se débrouiller parce que je sais que vous êtes des pros de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, c'est pas grave même si l'image bouge un peu là. Et Seigneur, merci. Voilà, on voit un peu la tête de Gérard. Une partie de la tête. Voilà. Là, vous suivez la caméra, là. Vous voyez déjà l'interphone qui est là, que l'on voit, là, mes amis, là. Ça, c'est beau. Ce que Dieu fait. Voilà. Quelqu'un qui a le micro, hein, Loïc peut déjà vous expliquer un peu l'interphone, là. C'est quoi, là? Ok. Donc, ça, c'est nouveau, ça. Là, donc, comme on peut voir ici, en fait, c'est le système qui permet, donc, lorsqu'il y a une émission et qu'une personne désire rentrer dans les locaux. Donc, elle sonne et donc on a la possibilité directement de voir qui est devant et de pouvoir lui donner accès ou non dans les locaux. Donc, voilà, c'est un signe de sécurité et puis voilà, de facilité pour nous au niveau du studio. Donc, les locaux du studio de TV de Ville sont complètement séparés d'autres locaux. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, c'est vraiment un espace à part. Donc, il y a la première partie. Donc, pour les personnes qui ont pu être là dans les programmes de réveil, où il y a tous les bureaux, l'ancienne salle où il y avait les petites sessions de Didasco, les WC sont dans la première partie, en fait, du 24. Et au bout du couloir, donc, on arrive directement à la porte. Est-ce qu'on peut, on peut montrer cela? Si on peut filmer. On va ouvrir la porte. Tac. Pour nous montrer un peu le. On va regarder. Donc là, vous voyez en face donc l'entrée principale donc du 24. Dès que vous arrivez, donc toutes les parties bureau sur la droite, deuxième partie les sanitaires. À gauche là-bas, vous pouvez voir c'est un dégagement où il y a également deux autres bureaux. Ici, anciennement salle Didasco, mais où également en fait durant les programmes, les frères et sœurs peuvent être ici pour voir la retranscription du programme qui se passe en fait. D'accord. Et voilà. Donc le code, là, le digicode, là, c'est quoi? On a l'habitude de mettre des chaises également ici. Mm-hmm. Et donc là, je ne sais pas si on va pouvoir regarder derrière la porte, donc pour accéder à la partie du studio et de la régie, donc. Au niveau du système de sécurité, donc par digicode, qui fait que l'accès est restreint pour pouvoir accéder justement au plateau aux locaux vraiment de TV de Vie. Donc on ne peut pas y accéder sans le code. Voilà, sans le code, c'est impossible de pouvoir y entrer. Donc voilà. Voilà. D'accord. Tout simplement. Donc une fois après passer ce code, le code fait, on rentre dans le petit sas. Donc là, effectivement, la partie technique maintenant que vous êtes en train de
voilà. D'aménager. Donc on va montrer un peu les ouvriers qui travaillent. Donc là, il y a les frères qui viennent tout juste, en fait, enfin, qui sont quasiment sur la fin. Mon frère de la Jean pose qui travaille du parquet stratifié. Durement. Donc là, il va faire le sol ce soir. C'est ça. Ils sont quasiment sur la fin. Là, ils ont quasiment posé toutes les lames. Donc l'électricité est déjà finie, donc tout le câblage, tout avec un tableau électrique tout neuf. Merci aux frères qui l'a offert, en tout cas à l'équipe de TV de Vie, que le Seigneur le bénisse. Voilà. Et aussi aux ouvriers qui ont travaillé durement pour. Donc voilà, la partie régie. La partie régie, donc dans lequel les techniciens sont installés et contrôlent. Mon frère Jean, qu'est-ce que tu vas nous faire ce soir là? On va lui donner le micro un peu là. Je sais qu'il aime pas trop ça, mais ça me fait plaisir de te revoir ce soir. Bonsoir. Ouais, c'est à lui, c'est à toi que je parle. Ouais. Bonsoir. Est-ce que tu peux expliquer un peu aux frères et sœurs qui te regardent chez eux ce soir et les enfants qui se disent mais papa, c'est papa à la télé. Alors qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Bonsoir. Et donc, nous sommes en train de finaliser un petit peu les travaux là, au niveau du sol. Hein, le sol, le micro, ouais. Le parquet. D'accord. Hein, et ensuite, on va finir le grand plateau là-bas. OK. Toujours sur le parquet. Et on a encore quelques finitions au niveau des peintures. OK. Donc, je pense que d'ici la semaine prochaine, les techniciens pourront justement installer tout leur matériel. Parfait. Donc là, ils vont pouvoir installer le matériel mobile. Hein. Voilà. Parce que présentement, nous émettons à partir de la camionnette de TV de Vie, la régie mobile. D'accord. Voilà. Donc, dans la partie située derrière la régie, donc le garage, en fait, où est stationné le Vito. Bon, là, actuellement, il fait un peu noir, ouais. Vu qu'on. Ah, il fait noir, donc on n'a pas assez de lumière pour pouvoir voir. Mais donc là, vous tournez, on utilise actuellement notre régie mobile pour émettre. C'est ça. Donc en fait, là, le Vito, il se trouve dehors. Ouais. Essaye d'avancer un peu. Voilà, on va montrer aux frères et sœurs parce que c'est vrai qu'ils sont nombreux à être touchés par le Seigneur dans les nations et ils veulent participer aussi. Ils veulent être au courant, être mis au courant, ce qui est tout à fait logique. Donc là, on peut voir la régie mobile en fait, justement, qui est avec laquelle on émet. Donc là, vous avez appuyé sur un bouton et puis tac, l'antenne parabolique, l'antenne automatique s'est déployée et s'est fixée sur le satellite avec lequel on travaille. Ok, donc là, on va pouvoir venir voir le technicien qui est à l'intérieur du camion, à l'intérieur de la régie. Là, le technicien est en train de travailler. Voilà. Donc on peut voir ici donc tous les écrans de contrôle donc qui permettent de switcher entre les différentes caméras pour que les frères et sœurs chez eux puissent voir en fait les différents angles des différents programmes. Donc voilà notre frère Eric qui est là. Waouh. Alors on va lui passer le micro hein, Eric le technicien qui est actuellement comme vous le voyez dans la régie mobile, c'est-à-dire la camionnette de TV de Vie, cette régie qui nous permet de faire des émissions de n'importe quel coin de l'Europe, de France, hein, de la France. Et donc le technicien est en train de travailler actuellement. Donc Eric, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Oui, ça va bien. Ça se passe bien dans ta camionnette là? Oui, ça se passe bien. Comme vous le voyez, on est en plein direct. Et c'est la réalité que vous voyez là, derrière. Donc là, on peut émettre, on peut faire du direct avec notre régie mobile, donc cette camionnette. Oui. Ou avec le matériel fixe. Tout à fait. Hein, voilà, que l'on a, qu'on va installer dès que le local technique sera fini. Exactement, dès que l'aménagement de ce local sera fini. Oui, c'est ce qui nous a permis de pouvoir continuer la diffusion. Malgré les travaux. Donc là, tu appuies sur un bouton et puis l'antenne se déploie. Voilà, l'antenne se déploie de façon automatique, oui. Pour l'antenne que vous voyez là-dessus. On va la montrer là, l'antenne. L'antenne qui est déployée. Oui. L'antenne, on la voit pas, l'équipe. Voilà, oui, bon. Merci pour la lumière. Vous êtes une bonne équipe, mes amis. Et là, on voit l'antenne. Donc, l'antenne qui se déploie naturellement, automatiquement. Voilà. Donc, on va redescendre encore avec la lumière. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais.
Voilà, okay. Problème de lumière, le technicien qui est là en train de travailler. Pour que vous ayez cette image de qualité, mes amis. Il y a toute une équipe hein, des frères et sœurs qui travaillent durement. Et grâce à vos prières, à vos soutiens, nous nous battons pour défendre la vérité, quelles que soient les épreuves, quels que soient les combats. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a autre chose, Loïc, ouais. À dire. Ah, je n'ai pas de retour audio, oui. Non. Donc, donc on rentre donc, par le garage. D'accord, là c'est le garage. Hein. Ouais, maintenant. On rentre du garage, on rentre dans le SAS qui donne accès au plateau. Voilà. Et là, tu es de nouveau sur le plateau. Sur le plateau TV de vie. De TV de vie. Et là, je peux jouer un petit cantique là quand même, là, non? Oui. Gloire à Dieu parce que. Hosannaïo, Hosannaïo, Hosannaïo. Hosannaïo. Nazanga nyoso, kasi yote Yesu ya ya. Kati na motema nanga posa na yo kolekai Poko ya liboso na yo eleki bisika nyoso Kati na motema nanga posa na yo kolekai Amen, 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 alleluia, amen Kumama na yonkol, oh alleluia, amen, 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 alleluia, amen. Kumama na yonkol, Donc ça va être magnifique, glorieux. C'est temps de louange dans toutes les langues. Alléluia, gloire à Dieu. Alors je pense que vous êtes tous encouragés hein, par tous ces travaux. Gérard, qu'est-ce que tu en penses un peu? Ouais, on va lui passer le micro là, Gérard, si tu peux. Voilà. Gloire à Dieu, magnifique Seigneur. Moi, ce que je peux dire, c'est merveilleux ce que le Seigneur fait. Uh-huh. Et je dis que, que son œuvre continue jusqu'à son retour. Alors, Gérard, on ne le voit pas, donc là, tu es encouragé. Oh, moi, à fond. À fond. Wow. C'est vrai. Gloire à Dieu. Donc quand je vois tout ça là, c'est merveilleux. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Magnifique Seigneur. Nouni qui est là aussi avec nous ce soir et que l'on n'a pas vu depuis quelques temps parce que je pense qu'elle était un peu en vacances. En vacances? Ouais. Non. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses un peu de tout ça, le plateau qui s'élargit, qui s'agrandit Je bénis Dieu, on n'utilise pas l'argent que les frères et sœurs donnent pour l'œuvre de Dieu pour rien. Et que gloire soit rendue au Seigneur. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur. En tout cas, mes amis, vous voyez, l'équipe a beaucoup, beaucoup travaillé. Il y en a plein, hein. Tous se sont mis, en tout cas, ils ont mis la main à la pâte pour que ces travaux soient réalisés. Et ce n'est pas fini, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont se mettre en place, tout ça. Et voilà, on aura déjà samedi, vous allez voir, il y aura beaucoup de changements. On va passer du temps dans la présence du Seigneur avec les différents intervenants qui vont passer pour apporter la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Hervé, ça va? Là, on fait. Hein? On va te passer le micro là, gloire à Dieu. Nouni, toi, tu sais parler le cambodgien, non? Tout ça, un peu tu veux parler un peu? Dire un petit mot, c'est une belle langue. Il y en a qui sont connectés ce soir, ça d'abord. Je vais dire juste une seule phrase. Pa Yesu men pa. Ça veut dire Jésus est Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et Hervé, qu'est-ce que tu en penses un peu de tous ces travaux? Bon Dieu qui travaille, Dieu agit. Et on bénit Dieu pour tout ce qu'il fait. Gloire à Dieu. Il est grand et voilà. Et d'ailleurs, ce samedi, ceux qui ne peuvent pas prêcher en français sont libres de prêcher dans leur langue maternelle. Hein? Donc, on se laisse guider. Hein? Donc, vous voulez prêcher en Chiluba, en allemand, en néerlandais, en breton, peu importe. Donc, vous êtes libre en créole. À partir de 14h, venez et puis sera proclamé dans toutes les nations au nom de Yeshua. Vous avez un message à passer aux femmes, aux enfants, aux familles.
Donc venez partager l'évangile à condition que Christ soit glorifié. Voilà, gloire à Dieu. Alors, quelqu'un d'autre avait quelque chose à dire avant, non, tout ça, non, rien. Trésor se cache parce que c'est vrai que c'est pas évident pour lui. Et voilà, personne ne veut mettre sa tête dessus, hein. Alors qu'il y a de plus en plus de youtubeurs qui, ah, ils sont là sur YouTube, ils sont là partout. Dans leur voiture, tu veux pas une voiture dans laquelle tu vas faire des émissions, non? Non? Comme les Tila à l'époque, non? Les Tila, tout le monde copie les Tila aujourd'hui. Alors que les sœurs ont quitté Tila, hop, les Tila gang hommes débarquent. Que le Seigneur nous garde. Ah, t'as pas cette fibre journalistique, tout ça, là. Gloire à Dieu. Que Dieu soit bien. En tout cas, on est dans la joie de ce que Dieu fait. Et voilà. Alors, à demain pour ceux et celles qui sont connectés pour suivre les enseignements sur TV de Vie, les enseignements de Didasco concernant la guerre d'Armageddon. Nous bénissons les nations, nous bénissons Israël, nous bénissons Jérusalem, nous bénissons la Palestine, nous bénissons les nations arabes, nous bénissons mes amis, nos ennemis, nous prions pour ceux qui nous persécutent. Que Dieu bénisse son œuvre. Loïc, un petit cantique? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, tu es magnifique. Tu fais des grandes choses partout, dans les nations, dans nos familles, dans nos cœurs. Sois glorifié, Père, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Béni soit ton nom, Jésus. Dans ma vie de chaque jour, chercher à te ressembler depuis le commencement de mes jours jusque dans l'éternité. Je ne connaîtrai personne qui soit comparable à ta personne. L'unique et le véritable, c'est toi, oh admirable, sur la terre. Oh, tous genoux fléchis, l'unique et le véritable, c'est toi, oh, admirable, à ton nom sur la terre, tous genoux fléchis. Que ton nom soit béni, Kumamaya, que tu sois loué, Yahweh. La vie et la vérité, c'est toi Jésus, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, oh Kumama Yeshua. Aimer les derniers, c'est lui
Alléluia. Elle est bizarre la gamme aujourd'hui, non? Non? Oula, là, c'est comme si c'est. Hein, c'est un peu. On fait plus 6, mets un peu plus 6 là. Parce que moi je transpose comme ça. C'est là plus 6, non? C'est ça? Oh, mama, Yahweh, Kumbama. Kumbama, Yahweh, Kumbama. Yahweh, Yahweh, Kumbama. Jésus, sois loué. Jésus, sois loué. Oh! Sois loué, Jésus, sois loué. L'amour de ma vie, sois loué. Jésus, sois loué. Sois loué, Jésus, sois loué. Oh! Sois loué, Jésus, sois loué. Sois loué. Sois loué. Oh. Dis-le. Dis-le bon moyen. Dis-le bon moyen. Dis-le bon moyen. Dilo, dilo botanie, dilo, dilo botanie, oh, dilo botanie, dilo, dilo botanie, sois glorifié, sois glorifié, Jésus, sois glorifié, sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Jésus, sois glorifié, oh, Jésus, oh, que tu es le seul véritable Jésus, sois glorifié. Sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Sois glorifié, Jésus, sois glorifié, sois glorifié, oh, sois glorifié, Jésus, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Kumbama, yonde kumbama, Yesu yonde kumbama, kolo yonde kumbama, na pombo liyo, yonde kumbama, na kumbisiyo, kolo yonde kumbama, na sancho liyo. Mobali nanga masia yonde kumbama yonde nzambe na bomoi yonde kumbama créole ah oh, oh, bon Dieu moi yonde yo 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 oh oh bon Dieu soit loué créole cap vini 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 bon Dieu soit oh, oh, yo, 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 yo. Bon Dieu, sois loué, bon Dieu, moi. Bon Dieu, sois loué. Bon Dieu, loué. Bon Dieu, moi, vais louer. Bon Dieu, moi, vais louer. Bon Dieu, moi, vais adorer. L'amour a vu en nous. Bon Dieu, tellement bon. Bon Dieu.
tellement bon. Mon Dieu, c'est l'amour à nous. Mon Dieu, c'est l'amour à nous. Mon Dieu nous aime. Mon Dieu aime. Sauvez-nous, mon Dieu, en nous. Sauvez-nous, mon Dieu, en nous. Sauvez-nous, bon Dieu. Sauvez-nous, bon Dieu. Zambena, bon mot, yo yo. Julien, Yembeli, Zambé, oh. Yonde Kumbama. Yonde Zambé, Nanguya, ye, ye. Zambé, Nanguya. Kumbama, na yokolo, oh. Manso oyo zaliko sala yaya. Jésus, sois glorifié, sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Jésus, sois glorifié, oh, sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Il guérit, il sauve, il guérit, il restaure, il délivre, il affranchit. C'est ça Jésus de Nazareth, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire. Oh yo yo yo, les acclamations montent vers toi Seigneur. Oh, alléluia. Oh, shilo yo, shilo. Hey, Loïc, non, non, non. Oh. Seigneur, sois loué, sois glorifié, Seigneur Jésus, pour tes bienfaits, mon Dieu. C'est toi qui m'as sauvé, c'est toi qui m'as aimé, c'est toi qui m'as guéri, c'est toi qui m'as sauvé. Sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. Sois glorifié, que le monde sache que tu es le seul véritable Dieu. On n'a pas de belle voix, là ne pas, c'est pas ça le plus important, c'est le cœur qui compte. À Yeshua, seul la gloire, la louange, l'honneur et la majesté. Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, merci. On aurait pu former une chorale, hein. On m'a parlé de toi, mais je ne te connaissais pas. On m'a parlé de toi, mais je ne te connaissais pas. Jésus, maintenant mes yeux t'ont vu et j'ai su qui tu es. Oh, maintenant mes yeux t'ont vu et j'ai su qui tu es. Adorons Jésus et oh. Adorons Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Ah, ça va comment le chant de la Côte d'Ivoire, non? Tu sais, non? Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Adorons Jésus, il est le Seigneur, amen. Adorons Jésus, il est le Seigneur, amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout. Jésus, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Amen. Adorons Jésus,
élevons Seigneur, amen. Adorons Jésus, élevons son nom. Serge, Serge, viens. Adorons, adorons Jésus, élevons son nom. Encore. Oh, encore. Adorons Jésus, hey, encore. Adorons Jésus, encore. Adorons Jésus. Il est le roi de rois, élevons son nom, il est le roi Jésus. Amen. Adorons Jésus, élevons son nom. 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 Adorons Jésus, élevons son nom, amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou confessera que Jésus est Seigneur. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus. Élevons son nom, amen. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons son nom, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom, amen. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. En août, la Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu. Ça nous manque la Côte d'Ivoire, mes amis. Que tous nos amis ivoiriens et ivoiriennes soient fortifiés, encouragés. Alléluia. On dit quoi, Abidjan? Mes amis, c'est un très beau pays que nous aimons beaucoup aussi. Hein? Alléluia, gloire à Dieu et que le Seigneur soit béni. Et bientôt l'Angola. Bientôt l'Angola cette année. Hein? On va faire l'Angola cette année. Je proclame ça, je prophétise ça au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Ouh. Jesus. Bon, on va laisser les ouvriers travailler parce que là, mon frère Jean est fatigué. Alors à demain. Merci Seigneur. Ça va être chaud en tout cas. Là, c'est un avant-goût. Gloire à Dieu. Merci.